Attaque! Attention les gars, c'est un danger. Il est lâché. L'étape est finalement trop dure pour lui. Il essaie de sortir du peloton. Il y a du mouvement derrière. Bien reçu. Je reste dans les roues coûte que coûte. Il a demandé à ses équipiers de te prendre en chasse, car tu es dangereux pour le général. Va falloir essayer de résister. On est à 3 km de l'arrivée pour les hommes de tête. Avec un dernier kilomètre à plus de 10% de pente moyenne et des passages au-delà de 20%, ils auront encore l'occasion de s'attaquer. Attention, t'as bientôt plus d'énergie pour attaquer. Les hommes de tête entrent dans les deux derniers kilomètres de cette étape. Ils vont aborder une portion un peu moins pentue avant de s'attaquer aux pourcentages les plus exigeants de la planche des belles filles. Et voici l'homme de tête qui aborde le dernier kilomètre et ses rampes très pentues. Un peu moins de 300 mètres maintenant avant la ligne d'arrivée. Que ce dernier kilomètre est difficile. T'es en sur-régime. Baisse un peu le rythme ou tu vas vite le payer. Il est tout sourire au moment de monter sur le podium. Applaudissez-le. Voici le vainqueur de l'étape, Tomblaine, la super planche des belles filles. Bravo à lui. Il a réussi à manœuvrer parfaitement pour aller chercher cette victoire. Il peut savourer cet instant. Il va monter sur le podium pour recevoir son maillot et la bise des hôtesses. Il va monter sur le podium pour... Il joue les tout premiers rôles. Il est en tête du classement et il va recevoir les honneurs du protocole. Bravo les gars, félicitations à vous.
J'espérais bien qu'on joue les premiers rôles, mais de là à gagner cette étape, vous avez réalisé une superbe performance. Bravo pour cette victoire. On conserve le maillot à poids. C'est très bien, les gars. Bonjour les gars. Comment 5 km pour l'échapper. Ça va être tendu avec la dernière bosse. Ça marche. J'ai relayé fort. La tête de course entame la côte finale avec une avance confortable sur le peloton. Protéger.
Mais relayez fort. Je viens de protéger. Ce n'est pas toujours idéal d'être en surnombre dans une échappée, car les autres ne voudront plus forcément collaborer avec nous. Les hommes de tête sont à mi-pente. Ils vont bientôt atteindre la dernière rampe de cette côte, un kilomètre à 7% de pente moyenne. Mais plus de 10% par endroit. Ça marche. Je me ravitaille. Il est lâché. L'étape est finalement trop dure pour lui. En train de se faire décramponner. C'est une bonne nouvelle pour le général. Mesdames et messieurs, accueillez-le chaleureusement. Voici le vainqueur de l'étape, Paul Lausanne. Bravo à lui, il a vraiment été le plus fort. Il mérite amplement cette victoire. On peut dire que le tour se passe idéalement pour lui. Voici le maillot jaune de ce Tour de France. Il est en tête du classement et il va recevoir les honneurs du protocole. Voici le maillot vert de ce Tour de France. Il va monter sur le podium pour recevoir son maillot et la bise des hôtesses. Voici le maillot à pois de ce Tour de France. Il va pouvoir mettre ce maillot dans sa salle des trophées. Espérons pour lui qu'il en ajoute. Il joue les tout premiers rôles cette année. Voici le maillot blanc de ce Tour de France. Bravo les gars, félicitations à vous. On faisait partie des outsiders, vous avez réussi à battre les favoris. Bravo pour cette victoire. On prend le maillot vert, c'est une bonne journée. Thank you.
Bonjour les gars. Commençons le briefing de cette étape. Ça va être une journée très exigeante pour tout le monde. Plusieurs cols et une arrivée au sommet vous attendent. C'est une étape clé pour le classement général. L'homme de tête traverse actuellement Châtel. Il va bientôt atteindre la... Dernière rampe en direction de l'arrivée. Bien reçu. Je reste dans les roues coûte que coûte. Diminue un peu l'allure, autrement tu vas nous faire un coup de moins bien. Il roule sur toi. Va falloir lui résister. Allez, allez! Viens te protéger. Ça marche. J'ai relayé fort. L'échappée est à 1 km de la ligne d'arrivée. Je viens de protéger. T'as l'air d'être dans le rouge. Lève le pied si tu veux pas avoir une défaillance. Mesdames et messieurs, applaudissez-le bien fort. Voici le vainqueur de l'étape, Aigle Châtel, les portes du soleil.
préparé parfaitement pour aller chercher cette victoire. Il peut savourer cet instant. Il joue les tout premiers rôles cette année. Voici le maillot jaune de ce Tour de France. Il joue les tout premiers rôles cette année. Voici le maillot vert de ce Tour de France. On peut dire que le Tour se passe idéalement pour lui. Voici le maillot à poids de ce Tour de France. Il est dans une forme étincelante. Bravo les gars, félicitations à vous. On faisait partie des outsiders, vous avez réussi à battre les favoris. Bravo pour cette victoire. On conserve le maillot vert, c'est bien les gars.